Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur... Attendez, change mon bordel, voilà. Sur Blasphemous. Alors, épisode précédent, je sais plus ce qu'on a fait. Oui, j'avais fait des respirations parce qu'en fait, j'ai cherché le marchand pour pouvoir avoir le truc qui me permet d'aller dans... Enfin, Je pensais que ça me permettait... de passer directement les toxines, en fait. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, ça, je prends juste moins de dégâts. Donc c'est, ça reste de la merde, hein. Peut-être qu'au bout d'un moment on va être immunisé, mais pour l'instant c'est pas le cas. Du coup on prend cher, ou alors faut vraiment... Merde. Alors, faut vraiment faire des esquives au bon moment, parce que j'ai vu que quand on faisait une esquive au bon moment, on se prenait pas de dégâts de poison, mais bon c'est débile, ça reste très bizarre. Donc du coup on va essayer peut-être d'avancer dans le jeu, peut-être qu'on débloque un truc, mais on voit que je suis mort dans la zone de poison, et pour récupérer mes âmes là, c'est mort, hein. J'y arriverai pas... J'ai pas envie de risquer le fait de crever une deuxième fois. Écoutez, on va monter, c'est la seule chose qui nous reste à faire. Monter dans cette citerne profanée. Parce que là, ouais, si je vais là-bas, non, c'est bon, c'est après que c'est un plan cul. J'ai quand même envie de tenter de récupérer mes âmes, quoi. Ça m'emmerde au plus au point, je vous le cache pas. Ouais, dans le pire des cas, faudra que j'aille tout à gauche, mais ouais, récupérer mes âmes, Il y a des fois où je prends pas de dégâts, il y a des fois où j'en prends, en fait. C'est très bizarre. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai réussi à récupérer mes âmes. Bon, bah, j'ai envie de dire, c'est ce qui compte. Mais bon, j'ai aussi... j'ai aussi envie de retourner, peut-être... remplir mes fioles, parce que, ouais, j'ai pris trop cher. Hein. De toute façon, au bout, de toute façon, on était bloqué, donc... quoi qu'il arrive, on est baisé. Et là, je fais pas attention, je fais que de la merde. Il va me sauter à la gueule, cette enflure, voilà. Bon voilà, on va partir sur des bases saines. Pour pouvoir continuer notre aventure. Allez. Maintenant que ça c'est fait. Tu vois, des fois on prend pas de dégâts, quoi. C'est très bizarre. Comme mécanique, je trouve. Peut-être qu'après on va en trouver une plus puissante où on se prendra carrément pas de dégâts, je sais pas, hein, mais là pour l'instant c'est pas ça. Hein. Allez, on continue. Ouais, faut vraiment que j'aille à gauche pour après monter. C'est ce qu'on va faire. Ouais, il me pète vraiment les couilles. Hein. Ah là là, ah là là, ouais. Ah là là, je me suis fait toucher. Je sais pas si ça m'empoisonne, mais en tout cas je suis peut-être immunisé, donc finalement c'est peut-être pas inutile quoi. On le notera. Ah c'est ça, invoque tes merdes toi. Ah c'est là que j'avais pas été, faut que je monte. Ok, génial, on passe un bon moment. Alors là, j'y ai pas été, c'est tout nouveau, donc on va faire gaffe. J'ai oublié de parer. Merde. Alors, ça meurt, voilà. Ta zone de poison était vraiment là pour casser les couilles quoi, d'accord. Ça marche. J'étais en train de me poser la question.
tout va bien. Good. Sinon, je peux continuer à droite, hein, mais ouais, d'abord, on va faire étape par étape. Hein, Et là, on peut monter, on peut descendre, mais j'en ai plein la bite. Ça, c'est un peu de la merde, ça, non? Dégage, toi. On peut aller partout, quoi. Eh, je remonte, je vais atterrir où, là, en fait Mirus, parce que je remonte dans un endroit familier, ouais. On remonte ici, d'accord, très bien. Accès à un putain de raccourci. Merde, moi je me fais toucher comme un sbire. Ah mais oui, il y en a partout, hein. Eh, c'est infernal, hein. Et putain, les deux en même temps, je fais comment là, hein? Putain, c'est une blague. Je vous assure. Voilà, les petits execs là. Boum, écrasé. Encore écrasé. Par contre, ouais, c'est bien de l'animation, me casse les plus un peu les couilles. Hallucine, c'est lui qui m'a touché, quoi. Non, j'arrive pas à le toucher, vraiment. On est à ce stade de misère sexuelle. Eh ben, c'est bien de la merde. Je suis ralenti par l'eau, c'est chiant. Peut-être que je trouve quelque chose plus tard qui me permettra d'éviter cet effet de merde. Pour l'instant, c'est pas ça. Voilà, alors, on va descendre. Tac. Comme ça, hein, voilà. On est pas des animaux. Je peux aller à gauche plus haut, mais je peux aller en bas, surtout. Ah non, mais là, en fait, ouais, je suis baisé, quoi. Je peux descendre ici. On va le faire. Ah. Elle doit être par ici. La cloche cesse de sonner. Je l'entends teinter jusque dans mes rêves. Mes mains sont blessées à force de creuser. Elle doit être ici. Encore une blessure. Je l'entends tout près. Alors déjà, ça je l'ai vu, mais malheureusement je suis baisé, c'est génial, j'adore ce jeu. Oh, de la santé contre 350. D'accord, donc là j'ai rempli mes flasques de bile en fait, bah c'est pas plus mal en fait, écoutez, j'ai envie de dire. Eh, le truc tombe là. Va chier, voilà. Voilà. On va monter. Et qu'à gauche, là où j'avais pas été. À la droite, ouais, c'était le truc de merde où je pouvais pas sauter. La dernière fois que je note, c'est les endroits où il faudra que je retourne, quoi. Enfin, je pense pas le faire, mais ouais, il faut parce que. On oublie vite des choses là-dedans, hein. Merde, connard, il apparaît devant... derrière le décor, quoi. C'est pas les ennemis les plus dangereux de la Terre, mais bon, c'est chiant quand même. Ok, ça continue. Pas oublier que j'ai pas été à droite non plus par là, hein. Pas que j'oublie, pas que j'oublie. Là, je peux encore monter apparemment. Ouais, non. Je t'attends, toi, voilà. Voilà. Je peux aller à gauche par là. Ouais, écoute, on va le faire d'abord. Hein. De toute façon, ça va me ramener au village, là. Ah, coucou, toi. Bizarre qu'il n'y ait pas d'ennemis dans l'eau là.
Bah si je monte là, je retourne au village. Alors j'ai pas été par là, tiens, ça me fait penser. Ouais. Quoi cet endroit? Quoi cette merde? Je salue pénitent, je m'appelle Nascimento. Regardez ma poitrine, où vieillit un visage antique, un visage qui ne parle pas, ne pense pas, tandis que le mien rajeunit au point de ressembler à celui d'un enfant. Cette sentence est si terrible que je n'en comprends pas le but, même après avoir contemplé tous les péchés que j'ai pu commettre pour le mériter. La grâce du miracle est présente, même en ceux qui sont punis. Je réduirai peut-être la magnitude de cette sentence en vous aidant. Apporte-moi le vif argent qui éclot sous nos pieds, cet endroit où veut le funestre, et je le mêlerai à la bile de vos flax pour accroître les dons. Ah, d'accord. Gracieux soit le cœur. Par cet argent, je bénis le mélange qui recueillera le sang que vous versez. D'accord. Pouvoir curatif des flasques a été augmenté. Hein? En fait, il faut que je sacrifie une flasque de bile avec du vif argent et des larmes d'expiation. Et je peux augmenter mes flasques... D'accord, ok. D'accord, mes flasques de bile, du coup, j'en ai plus que 3, mais bon, elles sont plus efficaces, quoi. Donc, ouais, proportionnellement, c'est quand même mieux, quoi. D'accord, intéressant. Ok, il est noté. Il est sous la ville, hein, étonnamment. C'est-à-dire qu'on pourrait retourner assez régulièrement. Voilà, ça nous ramène... au hub du jeu, donc on va pas le faire, évidemment. J'ai pas été à gauche ici, on va le faire. Putain. C'est un nouvel endroit, ça, on est d'accord. Hein. Quoi ces ennemis de merde? Mec, ils sont en train de cramer là. Waouh, je suis dans carrément une nouvelle zone. On va pas faire ça tout de suite, mais je sais qu'il y a une nouvelle zone ici du coup. C'est pas négligeable. Et très bien, ok. Et je peux y aller rapidement du coup en passant par la ville principale. Là, c'est bien connecté, hein. C'est bien connecté. Très bien. Et on va descendre, hein, écoutez. Encore l'occasion. Faut que j'oublie de monter là-bas. Pas que j'oublie. Par contre, je pouvais descendre là-bas. Je viens de voir un truc où je pouvais descendre. C'est quoi ces conneries? Oh, j'ai raté un passage, moi. Ça me dit que je peux descendre ici. Très bizarre. Oh, on voit bien qu'il y a un truc où je peux descendre, mais je peux pas en fait. Ouais, ok. Bon. D'accord. Bon, bah, allez, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Allez, on descend ici. Je pensais qu'il y avait un raccourci ici, du coup. Pas du tout. Ah, évidemment, il y en avait un là de pourri. Ah, là, par contre, on peut passer, hein. Merci. Truc à trouver pour avoir plus de mana. Passage secret, il y en a partout. J'en ai sûrement raté, hein, de toute façon, je le sais. On va aller voir par là avant de descendre plus bas, mais du gaz, très bien. Aïe. On va éviter, hein, si on peut.
Ouais, c'est cool. Putain. Ah, c'est fun. Je sais pas du tout ce que j'ai activé, putain. Et putain. Et putain. J'arrive à R. Allez, tac. Vol du deuil noir. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Une étoffe noire qui conserve touché, changé malgré le passage d'année. L'un des trois souvenirs de la cérémonie inachevée, les blessures infligées par un serment brisé. Et rarement, d'accord. Aïe. Au secours. Un carnage. Je regarde quand même plus de vie, c'est carrément mieux, quoi. Y a pas photo. Bon, allez, on descend. Ah, oh, c'est pas vrai. Hein. Elle décède. Est-ce que je peux passer de l'autre côté s'il y a un truc, une arnaque? Non, que dalle. Ok, bon, on descend par là alors. Descend toujours plus bas. D'accord, j'étais ici pour les couilles du pape. Nickel, j'adore ma vie. Ah oui, d'accord, c'est là où j'étais, ok, très bien. Intéressant, ça. Ok, bah j'ai plus qu'à remonter, en fait, parce que j'ai tout... J'ai vraiment vérifié toute cette citerne de merde, là. Y'a toujours ce truc-là qui me trigger, là, ici, là. On voit que je peux passer en dessous, ça me trigger, c'est chiant. C'est bon. On va continuer par là, je vais revenir en arrière sur la zone que j'avais pas explorée, peut-être que c'est par là du coup. Sinon on ira dans la nouvelle zone, hein. Écoutez, je vois que là-bas de toute façon. Parce qu'après j'ai activé un levier mais je sais pas du tout ce que ça a fait quoi. Putain ouais, là je pouvais aller. Plus bas, ouais d'accord, ouais c'est bon, plus bas, par cette porte là, voilà. C'est par là. Je peux continuer à monter, je suis sûr que c'est un truc éclaté, hein. Merde. Ou peut-être pas, au final. Les bâtards, ouais. Je vais lui défoncer la gueule. Voilà, merci. Flacon de bile vide, ah ça c'est cool, hein. Je vais pouvoir remplir ma fiole. On tourne là-bas du coup. Pour ça je serais pas venu pour rien au final. Ouais c'est bon. Mais bon il reste plus que la nouvelle zone à fouiller quoi, ouais, je peux pas faire plus quoi. À moins que je retourne dans la cathédrale tout en haut mais... Je sais pas ce que je peux faire d'autre en fait là, à part ça. Je prends des dégâts bêtement. Ah ouais, hein. Bêtement. Et je vais mourir bêtement. Je vais juste aller me soigner en fait, quoi. Voilà. Cette fiole de bile.
Ouais, c'est vrai qu'en boss, je suis bloqué. J'ai activé un levier, je sais pas du tout à quoi il sert. J'ai plus qu'à retourner là-bas, en fait, quoi, dans la frontière des reins. Parce que tout en haut, pareil, je suis un peu dans le huc. Ici, il y a le truc, ouais, je pouvais aller à gauche. En bas, à gauche, j'ai pas testé, mais je pense que je devais être Keblo, à mon avis. Hein. Je crois que c'était le poison, justement. Le poison, c'était plus haut. Hein, je dis de la merde. On pourrait retenter à la rigueur, mais ouais, bah, faut déjà que je retourne au début, quoi. Donc faut que je remonte et que j'aille tout à gauche, ok. Très bien. Deal. On a un deal. Ah, ces allers-retours, ça me rappelle Hollow Knight, quoi. C'est pas plus déplaisant, au final, ça va. Hein. C'est assez... Le level design est assez bien branlé pour que justement ce soit pas trop chiant de faire les allers-retours, quoi. Même si, bon, j'avoue que Hollow Knight était quand même plus rapide. Parce que là, on sent que Blasphemous, là, on sent que le perso, il est un peu lent, quoi. Que je vais à gauche ou j'ai dit que je retournerai peut-être en haut pour vérifier, mais j'ai tellement la flemme. On va faire un nouvel environnement, vous savez quoi? Il est quelle heure là? 21, ouais, c'est bon, on a encore 21h. Non. Ça fait 21 minutes qu'on a fait la vidéo, qu'on lançait la vidéo, on va explorer un peu cet endroit. Allez. Eh, hey, tu meurs, enfoiré. Gros dégueulasse. Et ta carte de Hodge de Forgeron, ok. Empêche de mourir bêtement. Ces braves gens. Si je tombe là, c'est le décès. C'est que ils crèvent en un coup, donc on est tranquille. Voilà, il y a un truc pour prier. On va pas se faire prier. Et on va continuer notre ascension. Allez. Oh, j'ai su me rattraper. Merde. Je pouvais faire une attaque tombée, j'y ai pas pensé comme un con. Aïe, il m'a défoncé la gueule, putain. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est bon, je l'ai baisé. Allez, hop. Il s'arrache des trucs du dos, en fait. Je viens de tilter, lui. Ah, c'est chaud. Allez. Là, j'avais réussi à sauter, quoi. Attends. Je sais pas si c'était possible, normalement. Bon, là, ouais, il faut faire attention. Merde. Putain, j'ai eu chaud. D'accord. Ouais, ça dégage. T'as l'enculé qui m'a envoyé son truc dans la gueule, là, je l'ai pas vu.
Les coupants en deux. Ah, c'est dégueulasse. Les ennemis dans ce jeu, ils ont une gueule. Bestiaire assez varié, hein. Pour l'instant. Ah, tiens, je t'ai achevé. Cet enfoiré, quoi. Ah, mais ça, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, pour l'instant, tu me déranges pas plus que ça, mec. Je suis en train de te bolosser, hein. Regarde, là, il va peut-être faire son P2. Ouais. Je me soigne. Merci. Je t'ai baisé ? La sœur, ok. Protection des pères Teva. Je sais pas ce que c'est. Vous n'avez aucune offrande disponible. L'offrande ? On va noter cet endroit. Alors, protection des pères Teva. Ruban d'étoffe écarlate. Tout le monde roulé parfumé d'huile essentielle et... Enroule ces rubans protecteurs de leur corps qui contrastent avec leur armure. Si lourde, la détermination de son ancien porteur protège contre les attaques de foudre. D'accord. C'était même pas un boss, hein, j'avais pas vu de barre de vie, donc en fait c'était vraiment un trash mob. Trash mob immonde même. Et là on est, je sais pas où, c'est quoi ça. Monde, l'éternel crépuscule. Non, je suis toujours d'accord. Et qui toi? Oh pénitent, nous arpentons des routes étranges sous la même firmante, sans nulle autre vocation, nul autre nom. Je m'appellerai Dento, pèlerin au pied nu de l'ordre des génuflecteurs. Point de m'en veuillez. Je peux parler. Vomir la face car à chaque instant on reste employé pour que jamais nos yeux quittassent le sol. Tel est notre U. Nous voici devant Jondo, la grande cloche enfouie érigée de bas en haut pour que sa sonnerie ébranle la terre et atteigne les terres lointaines. Jondo teinte à présent d'une profonde gémissement trinitaire dont les échos se répercutent dans des larges spirales. Mes pieds désirent me porter sur l'autre versant de cette antique vallée pour rejoindre leur prochaine destination. Oh mes péchés, qui pourrait m'aider? Bah, je te jure. Ok. Merde, jaune d'eau. Ok. C'est quoi cette merde? Ah, ça c'est des trucs, je peux pas les baiser. Par contre, ouais, Ouais, si je traîne, non, c'est un plan cul, si je tombe, je meurs. Je me ferai pas baiser. Par contre, j'aimerais bien trouver, ouais, voilà, Je sais mort. Aïe, aïe. Enculé. Toujours un ennemi qui fait chier, hein. Et putain, il s'est accroché, j'hallucine. Vu que tu la butes, hein. Oui, il y a 50 000 trucs qui sont apparus, là. J'aurais aimé lui faire une exec à ce connard, j'ai pas pu. Omoplate de Carlos. Très bien, Carlos. C'est quoi cet endroit encore, putain? Ah, l'enculé.
enculé. Allez, dégage. Petit chameau. Ouais, c'est l'espèce de truc là, de truc en bois là pour s'accrocher. À mon avis, on aura un pouvoir plus tard. Hein. Donc, pour l'instant, ce que j'aimerais bien, c'est choper un truc qui me permettrait de me soigner et de sauvegarder accessoirement. Non merde, ouais. Je l'ai vu en bas là. Hein. Il fait pas sauter. Il fait pas sonner, pardon. La gueule, voilà. Ouais, je vais me tuer si je fais ça, ouais, voilà. Faut juste que je passe par là. Les bruits sont très dérangeants. Hein. Ça hurle dans la cathédrale, là, c'est juste immonde. Ah! C'est bon, il y a le truc pour se soigner ici. Eh ben, c'est super! Ok, bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve, cet endroit-là, John Doe? Bah écoutez, ce qu'on vient d'y arriver, hein, bah écoute, vous le saurez dans le prochain épisode, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si c'est le cas, cliquez sur la cloche notification bien évidemment pour le référencement, et moi je fais des bisous, et à la prochaine, allez des bisous, ciao, portez-vous bien.